I'm just a plastic ball. Ah oui, Fred, c'est un petit peu comme les appareils de notre ami Laurent. C'est de l'électro, c'est de la haute technologie mis au service. Bah, écoutez, on parle chaque de chaque punk, vraiment. Ils sont les seuls dans leur genre. C'est vraiment la notion de concert complet. Vous avez de la musique. Vous avez un spectacle, quoi. Vraiment. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut appeler ça un concert 2.0, 3.0 ? On ne sait plus tellement. Bah, c'est tellement, vous qui voyez. On en prend plein les yeux et les oreilles. Les oreilles, Chaka Punk, sixième album, on les connaît. C'est un exemple unique en France. Des gens qui sont partis d'abord à Berlin, qui ont puisé leur inspiration là, qui vivent toujours ensemble. Ils ont un lieu commun. Et comme les Beatles avaient leur studio à Londres, eux, ils ont la factory où ils conçoivent leur musique et leurs images. Parce que vraiment, le plus de Chaka Punk, c'est qu'en fait, vous avez un véritable sur écran, un véritable concert avec de l'art plastique, avec des vrais spécialistes de la vidéo. Il y a 15 personnes, pas moins de 15 personnes derrière la scène qui envoient les bonnes images au bon moment. C'est assez spectaculaire. Effectivement, je le redis, on en prend plein les oreilles. C'est vraiment du rock puissant, du vrai rock qui s'assume. Et au niveau des images, ben moi, j'ai jamais vu ça. Regardez. Vous êtes certainement le groupe de rock en France qui avait mis avec autant d'applications le graphisme et l'image au cœur de tous vos concerts. C'est tellement notre ADN déjà que pour nous, on a plutôt une difficulté à penser autrement. Grâce à l'image et grâce à ce qu'on fait en live, on met une couche supplémentaire qui sublime le truc et qui va jusqu'au bout du message. Et c'est là où ça prend tout son sens. Et je pense qu'effectivement, ce mélange son et image, le show, quoi, c'est, on a envie de que tous les sens puissent exalter. On est tous complètement malades mentaux. Pas moi. Si, toi surtout. On a tous un petit problème. un petit problème de perception de la réalité, on va dire. Oui, c'est vrai qu'on est tous un peu bizarre. Ça nous rejoint tous. On a une bizarrerie commune, je pense. Enfin, c'est ce qu'on nous dit beaucoup. Quel est le sens de votre nom, Chaka Punk ? Chaka, c'est en fait Shakyamuni, qui est le nom du Bouddha. Et donc, pour le côté zen. Et puis, punk, tout le monde sait ce que c'est. C'est pour le côté punk. Si les musiques sont toujours aussi décoiffantes et festives, on a l'impression que certains thèmes sont de plus en plus sombres. Si le thème est déjà grave, mettre en plus une musique grave, des fois ça peut... c'est peut-être une sorte de pudeur de notre part, quoi. Après, c'est vrai qu'on s'est retrouvés à Paris à une époque où il s'est passé... Il y a eu le Bataclan, on est juste à côté, il y a des choses comme ça qui, la vie, la société, ce qui s'est passé dans le monde, nous a forcément touchés de près. On entendait tellement des gens nous dire c'est. Les gars, vous faites du rock, ouais. Voire peut-être même du rock mélangé avec plein de trucs, donc on ne peut pas vous classer. Vous le faites en anglais, alors qu'on est en France, alors que personne ne parle anglais. En plus, vous mélangez l'anglais avec d'autres langues, l'espagnol et tout ça. Et en plus, vous faites des images cheloues, ça ne marchera jamais. Comment ils font là ? Parce qu'ils font des moyens quand même là. En termes de production. C'est justement en ça qu'ils sont uniques. D'abord, ils sont totalement autogérés. C'est-à-dire que le groupe a investi, je le disais tout à l'heure, dans l'Est parisien, où ils sont vraiment là, où ils créent leurs images avec des addicts du graphisme, du web. Mmh. C'est vraiment tout ça. Et tout ça est fait en circuit fermé. Il y a un petit label qui est devenu gros maintenant, tôt ou tard, qui a flashé sur eux. Tôt ou tard, c'est le label qui s'occupe aussi de Vianney. Donc vous voyez, il y a un
grand écart entre la nouvelle chanson française et Chaka Punk. Et il leur a donné les moyens, ce label a donné les moyens à ce groupe-là, qui est encore une fois unique dans son genre, de vraiment se développer. On ne peut pas dire qu'il soit matraqué sur les antennes de radio. Mais non, on ne les entend pas énormément. On ne peut pas dire qu'il pollue les écrans de télévision. Non. Mais leur meilleur attaché de presse, c'est le bouche-à-oreille. Et pendant des années, depuis 2004, c'est la première fois qu'ils sont opposés. C'est le concert d'avant. Voilà, c'est le concert d'avant, c'est le bouche-à-oreille, c'est les gens qui sont venus vous voir en concert, qui font la promotion du prochain concert. Les attachés de presse, ils n'en avaient pas besoin. Pour la première fois pour cet album-là, pour cet album Evol, Evol qui est la contraction de Evolution, pour la première fois, ils ont pris le temps de se poser un an en studio et de se laisser un petit peu respirer entre deux tournées. C'est vraiment extrêmement intéressant. Au départ, il n'y avait que le singe, il n'y avait que Mr. Goz. Mr. Goz, que l'on voit là sur l'image, qui était vraiment leur emblème. Cette affiche qui a fait vraiment, cette pochette de disque qui a fait couler beaucoup d'encre. Ils sont trois, Beaucoup d'encre, parce que la dame qui fait un bisou au singe, ça n'a pas vraiment plu. Et comme ils le disent avec beaucoup de plaisir, quand on a vu les gens que ça choquait, on était content de les avoir choqués. Donc Mr. Goz, au début, était le seul qui chantait. Maintenant, il chante avec le singe. Youpi. Merci.